Le 3 juin prochain, l'heure sera au bilan pour Alice et Florian dans Mariés au premier regard 2024. Les téléspectateurs découvriront si les deux candidats restent mariés ou non. Les abonnés à M6+ ont déjà la réponse. Alice et Florian ont connu une épreuve difficile dans Mariés au premier regard 2024, M6. À cause d'une histoire de pâte cassée, les deux candidats, compatibles à 78%, ont connu une période de vive tension. Mais tout s'est arrangé à la suite de l'intervention de Gilbert Boujaoudé. Ainsi, la responsable en parfumerie de 30 ans s'est rendue chez son mari dans l'espoir qu'il retrouverait la passion des débuts. Coup de foudre pour Florian dans Mariés au premier regard lors de l'épisode qui sera diffusé le 3 juin, déjà disponible sur M6+, les téléspectateurs les retrouveront de bonne humeur au petit déjeuner. Ils ont préparé leur table tout en discutant de tout et de rien. Malgré tout, Alice avait une petite crainte. Il est en repos samedi dimanche et moi dimanche lundi. Et on habite à 1h30 l'un de l'autre. On va se voir le dimanche quoi? Si est-il dur. À répétition, quand ça fait des mois que tu es ensemble, ça peut être pesant et pénible. Donc il y a cette petite appréhension. Est-ce que je me vois vivre comme ça? J'avoue que j'ai peur, a-t-elle confié. Malgré les contraintes, ils ont réussi à passer plusieurs dimanches tendres et passionnés ensemble. Alice était aux anges, car son mari multipliait les attentions. Une situation dont elle n'avait pas l'habitude par le passé. Il lui a notamment offert une tasse personnalisée sur laquelle il lui faisait une belle déclaration. Il évoque notamment un coup de foudre, de quoi la toucher énormément. Résultat du bilan de Florian et Alice, ils évitaient tout de même d'aborder le sujet d'un éventuel déménagement qui pourrait être source de tension. Tous deux sont proches de leur famille, ce serait donc un déchirement de s'éloigner. Si ce sujet sensible a été évoqué lorsque les tourtereaux sont allés déjeuner chez les parents d'Alice, la question est restée en suspens. Alice appréhendait donc ses retrouvailles avec Florian lors du bilan avec les experts. Comme le veut la règle, elle n'a pas revu Florian quelques jours avant ce moment. Et tout s'est bien passé. Ils ont été très émus en découvrant des images de leur aventure. Puis est venu l'instant où il fallait évoquer le pastagate. Florian a reconnu qu'il n'avait pas eu la bonne réaction. Et tous deux ont avoué que cet événement les avait fait grandir. Les experts ont réservé une surprise de taille pour Alice et Florian comme l'a précisé la voix off par la suite. Ils ont joint le neveu et la nièce du candidat qui ont souhaité savoir s'il allait avoir des enfants et surtout, où ils iraient vivre. Un sujet qu'il allait aborder tranquillement. Cela n'avait pas d'impact sur leur relation puisqu'ils ont souhaité rester mariés.